possible, tout cela est possible. Dieu est né des miracles, tout cela est possible. Nous les voyons, tout cela est possible, tout cela est possible. Dieu est né des miracles, tout cela est possible. Chacun des enfants de Dieu, quand Dieu a trouvé ce que Dieu te demande de faire dans la vie,
il faut que tu arrives vers la fin. Il faut que cette bénédiction que tu as prise passe de génération. Alléluia. La grande bénédiction passe de génération. Même spirituellement, ça passe de génération. Même dans la famille, ça doit passer de génération. Vous allez voir que les gens que Dieu a bénis, ou les riches qui sont riches selon Dieu, cette richesse continue avec les enfants. Ceux qui ont volé, qui ont pillé, fait mal à qui, comme en Afrique, qui détournent l'argent de l'État, on retrouve qu'après les enfants n'ont absolument rien. Parce que les biens mal à qui ne profitaient jamais. Mais Dieu, ce qu'il accorde à ses enfants, passe les générations. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alléluia. Il y a des fois, les erreurs que tu as commis pendant que tu es dans ton parcours peuvent te coûter cher. Même si toi tu as été glorieux, ta fin a été un vrai succès. C'est une stratégie pour l'homme que de ne pas avoir la bénédiction passée à ses enfants. Un de mes amis m'a regardé. Il me dit, je te regarde en face, je te dis une chose. Toi tu es un homme béni. Moi, je suis docteur en médecine, j'ai des patients, j'ai l'argent. J'ai dit à tous mes amis, quand tu vas partir, je vais répéter à tous mes amis que cet homme-là, il est béni. Amen. C'est la bénédiction des hommes, on le voit dans la génération future. Amen. Alléluia. Je ne sais pas s'il me suit là. Alors, il m'a regardé les yeux et puis il me parlait, ça me faisait un peu rire. Alléluia. C'est très important de comprendre. Gédéon a bien commencé. Il a suivi l'ordre de Dieu. Il a détruit l'idole familiale. Il est allé dans son combat. Ça veut dire que le combat de Gédéon a été déterminé. Il est venu avec 42 000 hommes. Dieu a éliminé tous les restes pour ne rester qu'avec 300. Les 300 étaient des gens qui, des gens qui n'avaient pas peur, et puis des gens qui étaient vigilants. Amen. Parce que les choses de Dieu, même dans le combat spirituel, Dieu a dit, soyez prudents comme les serpents. Tu dois faire contre le combat spirituel par un zèle qui n'est pas un zèle de Dieu qui va avoir des problèmes. Il faut être intelligent. Aller là où Dieu dit qu'il va aller, n'est pas aller dire amen. Amen. Voilà, mon fils me parlait de quelqu'un, mais j'ai dit, arrête avec cette personne-là. Tu l'appelles frère, mais ce qui est en lui, la peut te détruire sans le savoir. Vous voyez un peu? Il faut être intelligent dans ce monde-là. Gédéon est allé avec 300 personnes qui n'avaient pas du tout peur et qui étaient extrêmement vigilants. Alléluia. Amen. On va juste continuer aujourd'hui. On voit juste la fin de sa victoire. Pourquoi 300 personnes? Et bien, on va aller vers la fin parler des leçons de la fin. Il y a des leçons que nous avons tirées. Il y a au moins 7 leçons de la fin des avis de cet homme biblique qui est un grand homme qui s'appelait Gédéon. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Allons dans Juges chapitre 7. Juges chapitre 7. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Au verset 8, on prit des vivres des peuples et Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Il retint 300 hommes. Le camp des Madian était au-dessus de lui dans la vallée. Regardez le verset 12. Mandia, Amalek, tous les fils de l'Orient. Pas l'Orient d'ici là, c'est pas l'Orient de la Chine là. C'est l'Orient par rapport à Israël, de l'Est de l'Israël. Ok? Était répandu dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Les chameaux étaient innombrables comme les sables qui étaient sur le bord de la mer. Il avait 300 hommes et Dieu a dit c'est avec ces 300 hommes que je vais te donner la victoire sur une multitude. Alléluia. Alors, pourquoi ces 300 hommes devaient être des gens sans peur et des gens vigilants? Parce qu'avec ces 300 hommes, ce sont des gens qui sont des gens de foi. Ce n'est que par la foi que Dieu peut opérer les grandes choses avec le peu que tu as. Amen. Alors, celui qui a peur ne peut pas avoir la foi dans le cœur. Il ne peut même pas obéir les ordres. Parce qu'il faut avoir les sources. Quand Dieu, par exemple, quand tu vas prier pour un paralytique, la première fois que j'ai prié pour la deuxième idée, vous, tu dois avoir la foi de dire au paralytique, lève-toi. Tu dois obéir quand c'est dit, Dieu ne se met de vous. Tu dois avoir la foi d'obéir à l'ordre. Mais si tu n'as pas la foi, même si le Saint-Esprit dit, fais-le, tu ne vas pas le faire. Parce que tu as peur, tu regardes les circonstances. Alléluia. Donc, les 300 personnes qui sont restées, 32 000, la première raison pour laquelle ils sont restés 300, ces gens non pleurés et non vigilants, c'est parce que gagner un combat
Amen. Avec les cruches vides, avec les trompettes. Jésus seulement avait déjà la révélation. Dieu l'a dit, tu vas faire aux gens, il va avoir les cruches. Amen. Il va avoir simplement les trompettes et des cris. Gagner un combat alors qu'en face de toi, les gens ont des armes, ils sont une multitude. Il faut que les gens obéissent à cet ordre-là d'écraser les cruches et de siffler les trompettes et de crier. Il faut que ce soit des gens qui obéissent à la foi et à l'ordre. Sinon, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Parce que les grandes choses, les petites choses que tu as dans ta vie vont te permettre de voir les grandes choses seulement et seulement si tu as la foi. Et tu vas l'utiliser. Alléluia. C'est une très grande leçon. Il ne s'est pas retrouvé des appareils. Il avait le nombre, 32 000. Mais Dieu a dit, le peu répartent, ceux qui sont disséparés. Tu restes vraiment avec 300 personnes. Alléluia. Parce que dans une armée, comme j'ai dit la fois passée, si quelqu'un a peur, ça peut se contaminer auprès des autres. Et puis, l'armée va être comme découragée. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons un peu, allons un peu dans les Oshimarakaya. Amen. Au verset 16. D'abord, Dieu est merveilleux. Quand Dieu, nous sommes une église prophétique là aujourd'hui. Tout, vous tous, Dieu vous a déjà parlé, presque tous ici, à travers une vision qui s'est avérée de Dieu. Et j'ai dit, il y a un que Dieu n'a jamais parlé, une vision qui s'est avérée de rêve, vous tous presque. Dieu annonce toujours. Alléluia. Et Dieu a dit à Gédéon, il voit que Gédéon meurt. Le père dit 300, mais oui. Là, ils sont inutiles. Dieu dit à Gédéon, si tu as peur, prends Pura, ton serviteur, va avec lui. Des fois, on a besoin d'être accompagné pour avoir un peu d'assurance. Hein? Des fois. Amen. Des fois. Amen. Des fois, être accompagné, c'est bon. Un combat, la Bible dit, deux vaut mieux que un. Amen. Et une corde à trois virons plus difficilement qu'à une seule corde. Donc, c'est tout à fait normal, des fois, humainement, Dieu a dit, si tu as peur, mon fils, je vois que tu as un peu peur. Va avec Pura. Et puis, la nuit quand il dort, Dieu montre une vision à Gédéon. Un songe. Et non, il dit simplement, va, tu vas écouter ce que l'ennemi dit. Des fois, Dieu fait en sorte que tes ennemis, parce que des fois, je prie la langue, j'entends les langages des gens qui sont dans les ténèbres, ce qu'ils disent. Ah, mais lui, comment il prie sérieusement, on ne peut pas la voir. Comment on va faire? Je les entends parler. Ou bien, tu sais, des fois, Dieu, tu vois un peu, Dieu peut ouvrir tes oreilles pour entendre ce que l'ennemi dit de l'autre côté. Amen. Dans les cas d'espèce, Gédéon est allé, il a écouté. Ah, c'était l'ennemi qui disait, un qui racontait à ses amis, je vis un pain d'orge grand qui venait en camp de la montagne et qui a écrasé toutes les tentes du camp. Ah, l'autre a dit, non, ça c'est Sylvie et Gédéon va nous écraser. Ça veut dire que déjà pas une vision qui commençait à effrayer l'ennemi. Quand Gédéon a écouté cela, il était... Amen. Dieu encourage toujours quand tu as un rêve qui t'encourage d'aller de l'avant, vas-y de l'avant. Amen. Vas-y de l'avant. Dieu, quand il est allé avec Pura, premier appui de Dieu, deuxièmement, Dieu a fait écouter ce que l'ennemi a fait, et puis quand il a pris courage, nous voyons ce qu'il dit maintenant. Lorsque Gédéon a entendu les reçus du son, les sons d'explication, il se prosterna devant et rêvait au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré vos mains entre les mains. Entre les camps des mendiants. Levez-vous. Amen. Qui devait obéir à cet ordre de levez-vous? C'est les 300 qui n'avaient pas peur, qui avaient confiance à l'Éternel hein, complètement. Amen. Complètement. Vous voyez un peu? L'armée de Dieu, l'église de Dieu doit. Les leaders de l'église de Dieu doivent être quelqu'un qui n'a pas peur. Dieu, tu as conduit les gens à la catastrophe. Et les pasteurs qui sont déprimés aujourd'hui. Là. Amen. Amen. Les pasteurs de l'église, c'est pas facile. Là. Il n'y a pas quelque chose de plus facile. Que de dealer avec des personnalités différentes comme ça. Chacun voit une personne différente. Je dois pouvoir m'adapter à chacun d'entre vous quand je parle. C'est une grâce de Dieu. Amen. Mais, le plus important que nous voyons ici, là, il est venu, il a vu les songes, il n'a plus hésité maintenant, il dit, levez-vous Dieu livre mendiant entre nos mains. Il leur dit, vous me regarderez, vous ferez comme moi, j'ai fait.